Les livres, Josiane Savigno. Bonjour Josiane. Bonjour Rudy, j'espère que c'est la dernière fois qu'on est à distance. Ah bah oui, vous nous manquez. C'est trop pénible. Alors, j'ai choisi encore un gros livre. Décidément, cette année, les meilleurs livres sont gros. Ça s'appelle « Le célibataire absolu » et le sous-titre est « Pour Carlo Emilio Gadda » de Philippe Bordas chez Gallimard. Il faut que je vous dise deux mots de Carlo Emilio Gadda. 1893-1973. C'est sans doute l'un des plus grands écrivains italiens du XXe siècle, mais il reste assez méconnu. Il a écrit une trentaine de livres, la plupart sont traduits en français au Seuil et disponibles en poche dans la collection Point Seuil, des romans, des recueils de nouvelles, des récits. Si vous n'en avez jamais lu, commencez par Connaissance de la douleur et L'affreuse embrouille via Merulana, qui est la nouvelle traduction par Jean-Paul Manganaro de ce qui s'appelait L'affreux pastis de la rue Aumerle. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore de Gadda ? Que Pasolini l'admirait beaucoup, qu'il a fait son Léloge funèbre, où il dit notamment cette phrase magnifique. Dans chaque phrase de Gadda, on peut voir le fulgurant résumé de l'histoire linguistique et donc de l'histoire tout court de l'Italie. Il y a le XIVe siècle, la Renaissance, le Baroque, le Classicisme, le Romantisme et le XXe siècle, parfois en six lignes seulement. Alors Philippe Bordas, lui, il est essayiste, romancier et photographe. Ce qu'il écrit dans Le célibataire absolu n'est pas une biographie de Gadda, même si, comme le font tous les biographes, il cherche les témoins, les lieux, les commentateurs de l'œuvre de Gadda, il enquête. Mais je dirais que c'est plutôt un voyage avec Gadda, un homme qui l'obsède depuis des années, même si pendant 10 ans, il l'avait un peu perdu de vue, avant de s'y remettre en 2005. C'est un texte extrêmement personnel, un livre, je dirais, de lecteur fanatique d'un auteur. Bordas écrit dans tous les lieux où il doit aller. Il écrit à Paris, il écrit à Moscou, il écrit à Nairobi, il écrit à Rome, il écrit partout sur Gadda. Il est fasciné par Gadda. « Connaissance de la douleur, dit-il, était le plus profond de mon être, la piste rouge menant au secret. » Et puis aussi, cette autre citation sur Gadda, « À l'inverse des néo-nihilistes français qui s'auto-freudisaient aux télés et s'auto-justifiaient de leur plate narration par absence d'amour filial ou disgrâce faciale, Gadda le mal-aîné avait placé sa surprose sous le sceau simultané du jouir et du nier. » Alors vraiment, partez en voyage avec cet écrivain extraordinaire grâce à Philippe Bordas. Ça s'appelle « Le célibataire absolu » et c'est chez Gallimard. Et c'est un gros livre.